Bonjour à tous. Je suis en train de monter mon nouveau S-Works S35.4 brushless et je vais en profiter pour vous faire voir quelques petites améliorations apportées sur la voiture et puis vous présenter les différents réglages. Alors sur le train avant, puisque là je vais vous présenter le train avant, j'ai monté les nouveaux cardans CVD. Alors ces cardans en fait, vous voyez, donc les couleurs, les cardans sont facilement reconnaissables puisqu'ils sont de couleur chromée. N'oubliez surtout pas de les graisser à l'intérieur, toujours avec une graisse blanche très très collante. Alors ces cardans en fait vont vous apporter plus de direction et surtout beaucoup moins d'à-coup dans la direction, avoir une direction beaucoup plus douce. Ensuite, j'ai remplacé les grosses rotules que vous voyez ici qui sont très lourdes par des rotules en aluminium avec les tiges, elles, qui sont toujours en acier. Alors, c'est une option de chez S-Works. Ça vous fait quand même gagner pas mal de poids puisque vous aurez remarqué que ces rotules sont très lourdes d'origine. Ensuite, petites astuces. Sur le S-Works, ça arrive quelquefois que sur des gros chocs, vous arrachez les cales de cellules, donc ces cales-ci, que ce soit sur le train avant ou sur le train arrière. N'hésitez pas à remplacer les vis, donc celles-ci, par des vis plus longues. D'origine, dans le kit, vous avez des vis de 3 par 12, donc qui sont celles-ci, que je remplace par des vis de 3 par 14, donc 2 mm plus long. Sur les gros chocs, ça vous évitera d'arracher les cellules, les blocs de cellules, les cales en aluminium. Et puis surtout, vous aurez une bien meilleure fiabilité des cellules au niveau montage-démontage. Donc, je change les vis sur ces deux endroits, deux emplacements. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, changer les vis qui tiennent le support amortisseur. Donc, 1, 2, 3, 4... N'hésitez pas à le faire, vous aurez plus de fiabilité, ça sera un tout petit peu plus long à monter, démonter. Mais ça va accroître la fiabilité de la voiture sur des gros chocs. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les différents réglages du train avant. Donc, vous avez par exemple ces inserts, ici, qui sont ici. Donc voilà, avec un petit point. Là, le petit point est au centre. Plus vous allez descendre vers le bas les axes de triangle, plus vous allez avoir une voiture en entrée de virage qui va être douce. Plus vous allez monter l'axe, plus vous allez avoir d'agressivité en entrée de virage. Sur le nouveau S-Works, vous pouvez aussi raccourcir ou rallonger, puisque maintenant les inserts ont plusieurs positions aussi intérieure-extérieure. Plus vous allez rallonger, plus vous allez avoir de train avant. Plus vous allez raccourcir, moins vous allez avoir de train avant. Donc si vous roulez sur des pistes avec beaucoup d'accroches, comme maintenant on en trouve partout, presque partout, n'hésitez pas à mettre le point au milieu, voire tout en bas. Si par contre vous avez des pistes avec une très très faible accroche, beaucoup de glisse, vous pouvez remonter vos points pour gagner un petit peu en agressivité du train avant. Ensuite, vous avez les cales de triangle qui sont ici, donc les cales inférieures. Vous avez trois positions, le haut, le milieu et le bas, qui correspondent aussi aux inserts à l'arrière de la cellule, que vous pouvez aussi régler au milieu bas. Alors, c'est assez simple à comprendre. Plus votre triangle est haut, moins vous allez avoir d'adhérence. Plus le triangle est bas, plus vous allez avoir d'adhérence. Alors, soit vous mettez les triangles, les cales arrière et avant parallèles, c'est-à-dire l'axe va être à plat, soit vous pouvez lui donner de l'angle. Ici, sur la cellule, sur les pistes avec beaucoup d'accroches, je roule toujours avec le point haut à l'avant et le point bas à l'arrière. C'est ce qui va vous donner le moins d'agressivité en entrée de virage pour avoir une voiture plus douce. Si vous voulez un peu plus d'agressivité, n'hésitez pas à descendre un petit peu le point avant. Il y a quelquefois certains pilotes qui roulent avec le point ici tout en bas et derrière la cellule aussi tout en bas pour avoir un maximum d'agressivité et de direction. Ça peut être très bien sur des pistes très glissantes, avec beaucoup de poussière par exemple. Mais dès que vous voulez calmer la voiture, n'hésitez pas. Vous remontez le point avant et vous baissez le point arrière. Vous allez calmer beaucoup la voiture. Ensuite, vous avez ici la châsse que vous pouvez régler avec les petits espaceurs, les petits inserts. En règle générale, sur le S-Works, on est toujours en châsse maxi. Plus vous rajoutez de la châsse, plus la voiture est douce en entrée de virage. Plus vous retirez de la châsse, plus elle est agressive en entrée de virage.
Après, c'est un choix personnel. Ensuite, comme réglage, vous avez la barre anti-roulis avant. Là, d'origine, j'ai monté une barre de 2,5, puisque la piste de Neulamine, où je vais souvent rouler, a quand même beaucoup de grip. Plus vous allez descendre la barre, plus vous allez gagner de train avant, plus vous allez durcir la barre, plus vous allez perdre de train avant. C'est en fait aussi beaucoup un ressenti, car sur des pistes, par exemple avec une très forte adhérence comme à Neulamine, moi je n'hésite pas à monter la barre avant. Vous n'allez pas perdre en virage, mais la voiture va tourner beaucoup plus à plat, au lieu de se planter sur le train avant et décrocher d'un coup. Donc ça, c'est vraiment une histoire de choix. Ensuite, sur le S-Works, vous pouvez aussi régler la dureté des triangles supérieurs. Donc, vous voyez ici, vous avez des petites plaquettes en carbone. Donc vous avez deux épaisseurs chez S-Works. Si vous voulez un triangle plus souple, donc piste qui glisse, vous rassouplissez, vous désépissez la cale. Si vous voulez par contre des triangles avant plus durs, n'hésitez pas à mettre les plaques en carbone plus épaisses. Vous pouvez même aussi équiper les triangles inférieurs de plaques carbone. Toujours le même effet, si la piste a beaucoup d'accroche, vous mettez les plaques carbone. Si la piste glisse, vous retirez les plaques carbone. Encore un autre réglage, la dureté des triangles. Vous avez chez S-Works du S, du Medium et du Hard. Moi, je roule en règle générale avec les médiums. Là, le kit est livré d'origine en soft. Je vais laisser les softs pour rôder la voiture. De toute façon, elle a fait très froid, donc c'est pas gênant. Mais dès que vous avez des températures élevées, n'hésitez pas à mettre les hards. La voiture va être beaucoup plus précise, beaucoup moins se déformer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage particulier ? Vous pouvez aussi, bien sûr, changer les élargisseurs de roues. Vous voyez ici, vous avez les hexagones. Ça, ce sont ceux d'origine. Alors pareil, hein, ça c'est vraiment un réglage très important. Dès que vous voulez avoir une voiture plus douce, n'hésitez pas à élargir les hexagones. Vous allez avoir une voiture qui va braquer beaucoup plus à plat, rester à plat dans le virage et sera plus facile à conduire. Évidemment, sur des pistes avec beaucoup de lisse, là il va falloir remettre les hexagones étroits. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce train avant. Donc surtout, n'hésitez pas, au premier montage, vous changez les vis, vous mettez des vis plus longues. Vous allez gagner en fiabilité sur les chocs et sur le temps, la fiabilité de la cellule. Les réglages, j'ai parlé des réglages les plus importants. Oui, ici aussi, vous avez les points d'ancrage. Donc tout bêtement, plus vous couchez, plus la voiture sera douce. Plus vous redressez, plus elle va être réactive. Et plus elle va prendre de roulis. Donc c'est une histoire de goût. Là, personne ne va pouvoir décider à votre place. En général, sur les S-Works, on est au point milieu ou un cran en dessous du point milieu. Ça, c'est vraiment une base de réglage. Ensuite, sur la voiture, je ne vois rien d'autre pour le moment à vous faire voir. Oui, alors bien sûr, vous avez aussi le calage du différentiel. Alors, vous voyez, comme là, ici, par exemple, sur mon différentiel, vous allez pouvoir voir qu'il y a un trait, le 1 et le 0. Simplement parce que j'ai mis 10 000 dans le diff avant. Au moins, ça vous évite d'oublier ce que vous avez mis. C'est toujours indiqué sur le différentiel. Donc sur le S-Works, vous avez des rondelles de calage pour caler le diff en latéral. C'est à vous de régler le différentiel. Quand la voiture est neuve, quand c'est monté, ça tourne déjà très librement, mais sans jeu. Moi, en règle générale, je mets une rondelle côté couronne et deux ou trois rondelles côté inverse de la couronne. Mais après, c'est à vous de voir, suivant le serrage de la cellule et suivant l'épaisseur des pièces, qui peuvent varier légèrement, pour pouvoir régler le jeu correctement. Mais en général, une rondelle et deux, ou une rondelle et trois rondelles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du train avant. Si vous avez des questions sur la voiture ou sur le train avant, n'hésitez pas. En sachant que les réglages que je viens de vous expliquer peuvent fonctionner sur d'autres voitures, hein, puisque les bases de réglage restent toujours les mêmes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.